un président en état de siège, sifflé au salon de l'agriculture, qui croit pouvoir trouver le salut politique dans des postures guerrières qui ont stupéfié les Français. La France en est d'ailleurs sortie totalement isolée. L'ensemble des capitales, de Berlin à Washington, de Madrid à Stockholm, ont rejeté fermement cette annonce aussi fracassante que déraisonnable.